Your amen is looking for my trouble. Ton amen cherche mon problème. C'est très faible. Votre amen est très faible. Your amen is looking for my trouble. Votre amen cherche son problème. If you don't want us to fight, si vous ne voulez pas qu'on se batte ici, you will shout your loudest amen. Vous allez crier très fort amen. Il y a une chose qui met en confusion l'ennemi. Qui est le bruit. Hear me. Écoutez-moi. If you want to confuse your enemies, si vous voulez mettre la confusion chez vos ennemis, to confuse them with noise. Alors vous devez le mettre en confusion avec le bruit. It's an abomination for you to come to God. C'est une abomination à vous de venir à Dieu. Calmez-vous s'il vous plaît. It's an abomination for you to come to God. C'est une abomination de venir à Dieu. Without expecting anything from the Lord. Sans espérer quelque chose du Seigneur. And when you're expecting something from God. Et lorsque vous espérez quelque chose de Dieu. And your heart matters. Et première des choses, ce sont les dons de vos cœurs. But your mind also matters. Deuxième chose aussi, votre pensée. Number three. Troisième chose. All your body also counts. Tout votre cœur aussi compte. For you to be in the presence of the Lord. Pour vous d'être dans la présence de Dieu. Receive something from God. Et recevoir quelque chose de Dieu. You must be in expectation. Vous devez être dans l'expectation. You have to be like expectation. Vous devez être dans l'expectation. Tonight. Ce soir. I didn't come here to preach. Je ne suis pas venu pour prêcher. I came to elevate somebody. Je suis venu élever. Écoutez. There is a presence I carry. Il y a une présence que je tiens. You cannot come around me and be carnal. Vous ne pouvez pas venir auprès de moi et être charnel. Don't fall into the presence of the Lord. Vous ne pouvez pas tomber devant la présence de Dieu. Receive nothing from God. Et vous n'allez pas recevoir quelque chose de Dieu. God is a spirit. Parce que Dieu est esprit. And they that worship God. Alors ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. And in spirit. Et en esprit. Hear me. Écoutez. We are not here for joke. Nous ne sommes pas là pour plaisanter. We are not here for just being sick. Nous ne sommes pas là seulement uniquement comme ça. Nous sommes là pour recevoir de Dieu. We are here to receive blessings. Nous sommes là pour recevoir la bénédiction. We are here to receive grace. Nous sommes là pour recevoir la grâce. And if you came here with your heart, alors si vous êtes venu avec votre cœur, the same grace will touch you. Cette même grâce 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 will touch you. Hey, let me hear them. The same grace will touch you. Say it again. Cette même grâce va vous toucher. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Lift up one hand. Élève une main comme ça. Just lift it up like this. Lève une main comme ça. I do not want you to sit down. Je ne veux pas que vous vous asseyez. Tout le monde se tient debout. And I don't want you to also close your eyes. Et je ne veux pas que vous fermez aussi les yeux. Just one hand up like this. Une main comme ça. Thank you, Holy Ghost. Merci, Saint-Esprit. Just one hand. Une main. Levez une main. One hand. Une main. Are you with us? Est-ce que vous êtes avec nous? Are you here? Est-ce que vous êtes là? I want us to add another one. Je veux que nous ajoutions une deuxième main. Whatever we tell you to do, just do. Tout ce qu'on va vous dire de faire. Faites-le s'il vous plaît. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Just add another one. Ajoutez une autre main. And I want the place to be silent. Et je veux que ici tout fasse silence. Thank you, Holy Ghost. Merci Saint-Esprit. And with the two hands lifted up. Avec les deux mains élevées. Make sure you don't close your eyes. Faites l'effort de ne pas fermer les yeux s'il vous plaît. Ne fermez pas les yeux. Don't close your eyes. Ne fermez pas les yeux. Begin to clap your hands. Commencez à battre les mains. Écoutez-moi d'abord. You are clapping your hands to celebrate the woman of God in our midst. Vous allez acclamer pour célébrer la femme de Dieu parmi nous. Come on, you can do it, but I start to celebrate. I am part of the church. Cette église, j'en fais partie aussi. So when I come, I have come to my own. Alors quand je viens, je suis dans ma maison. And the woman of God is my mother. Et la femme de Dieu est ma mère. Hallelujah. Mère. She is my mother. Elle est ma mère.
love her to the nonsense point. Et je l'aime à tel point qu'il n'y a pas de point. I love her to a point where she called me. I cannot refuse to. Et je l'aime tellement à tel point lorsqu'elle m'appelle, je ne peux pas refuser de ne pas venir. I love her to a point that. Je l'aime à quel point? When you attack, you have attacked me. Lorsque vous l'avez, vous l'attaquez, vous m'attaquez aussi. I am telling you. Je vous le dis. I've preached. J'ai prêché. I've worked. J'ai travaillé. I've worked. J'ai travaillé. I am tired. Et je suis fatigué. As I'm talking to you now. Au moment où je vous parle maintenant, everybody is paining me. Tout mon corps me fait mal. But you see, mais vous voyez, there are people who cannot refuse. Il y a des personnes que vous ne pouvez pas refuser leur appel. There are people who are close to you. Il y a des personnes qui vous ont été données. There are people who cannot leave them to go like that. Il y a des personnes que vous ne pouvez pas laisser comme ça. I follow the relationship. Alors je donne la valeur à la relation. So whenever mama will call. Alors, chaque fois que maman m'appellera, qui suis-je pour dire je ne viendrai pas? Je ne peux pas rester. Pourquoi est-ce que je ne viendrai pas, je viendrai? Parce que il y a une grâce de Dieu. Il y a l'onction de Dieu. Il y a une femme de Dieu qui aime Dieu. Qui a sacrifié sa vie. Et sa vie entière. Et tout ce qu'elle a, elle donne à Dieu. Et ce genre de grâce, je ne peux pas venir autour. Sans obéir à la voix. Et jeune femme, tonight, ce soir, before I preach, avant que je le prêche, laisse-moi te dire, certains d'entre vous, you are more spiritual than the word spiritual is. Vous êtes plus spirituel que le mot spirituel. To preach Jesus. Parce que vous voulez prêcher Jésus. You want to hear Jesus. Vous voulez entendre Jésus. But Jesus will not be preached. Mais Jésus ne va pas prêcher. Until a man is seen. Et sans si un homme ne soit vu, always a man. C'est toujours un homme. That preach Jesus. Qui prêche Jésus. Without a woman of God. Sans la femme de Dieu, Jésus ne sera pas présent. Okay. Une fois, I wanted to celebrate. Je veux que vous célébrez encore une fois. Pour que vous me montrez le secret. Refuse to grow. Parce que maman refuse de grandir, de vieillir. Long time. Depuis les temps passés, was like this. Elle est pareille. Ah. Ah. Alléluia. Et les petites filles deviennent grosses, deviennent vieilles. Et deviennent des vieilles femmes. Regardez la femme. Elle est devenue comme une vieille femme. And the woman of God. Et la femme de Dieu vient prendre une photo. Est-ce que je peux vous surprendre? Si. Je te vois. Ton maman sur ton bois. Hein? Alléluia. Amen. Célébrer encore plus fort. Je peux voir. Can see you clapping their hands. Et certains d'entre vous peuvent voir pourquoi est-ce que vous acclamez. Et d'autres ne savent pas pourquoi ils acclament. Mais vous qui connaissez, vous le savez. Plusieurs années passées, ce monsieur est venu à moi. Il était déjà mort. Il était déjà mort, ce monsieur. Il était déjà mort. There was no life and no hope. Il n'y avait pas d'espoir et ni de vie. Mais regardez-le aujourd'hui. Regardez la manière dont il prie. Amen. Is it not amazing? Est-ce que c'est pas étonnant? Is it not amazing? Est-ce que c'est pas étonnant? Is it not amazing? Est-ce que c'est pas étonnant? C'est une question que je pose. Est-ce que ce n'est pas étonnant? Amen. I'm asking a question. Je pose une question. Est-ce que ce n'est pas étonnant? C'est étonnant. C'est étonnant. C'est étonnant. So, is it amazing? Est-ce que ce n'est pas étonnant? C'est étonnant. C'est étonnant. Alléluia. Amen. I'll be very brief tonight. Je serai vraiment bref ce soir. I'm telling you tomorrow. Mais je vous dis demain. Get another chair. On doit avoir d'autres chaises. You get another chair. Vous devez avoir d'autres chaises. To add it. Pour ajouter à celui-ci. For 3 days we are here. Parce que les 3 jours nous sommes là. I promise you. Je vous promets.
Something will happen. Quelque chose va se passer. Something will happen. Quelque chose va se passer. Something will happen. Quelque chose va se passer. Something will happen. Il demande si ça fonctionne. Jesus. Uh-huh. Let me come this. Hallelujah. Amen. Stand on your feet and lift up to me. Tiens-toi debout et lève les deux mains. I will not be with God tomorrow morning. Je serai prêt parce que demain matin j'ai culte. Tomorrow morning we are having service. Demain matin j'ai culte. And if you have yourself. Et le soir quand nous avons culte. Monday we have yourself. Lundi nous avons culte. So tonight is your night. Alors ce soir est ta nuit. Close your eyes. Ferme les yeux. Close your eyes. Ferme les yeux. Hear me. Écoute-moi. Tomorrow. Demain. If you don't come early. Si vous ne venez pas vite. There will be a problem. Il y aura un problème. Because I see an angel in the house. Parce que je vois un ange dans cette maison. You didn't clap for the Lord. Vous n'avez pas clamé pour le Seigneur. Il voit un ange dans cette maison. Open up your heart and your spirit. Ouvrez simplement votre cœur et votre esprit. Maman. Tomorrow. Demain. The crowd of sins coming here. Le monde que je vois venir ici sera vraiment étonnant. Different faces. Des visages différents. Alors si vous êtes là ce soir, just connect yourself. Alors connectez votre vie. Now therefore. Et maintenant. Lift up your hands. Élève les deux mains. Et ferme les yeux. Just close your eyes. Ferme les yeux simplement. Ferme les yeux. Lève les deux mains. Jesus. Jesus. Ma, I will lose my voice. Je vais perdre ma voix. I think this one is good, right? Je pense que cela est mieux. It's good, hein? C'est bien. Alléluia. Amen. And let him go. Hello. Hi. Lose him and let him go. Lose him and let him go. Détache-le et qu'il s'en aille. Hein? Détache-le et qu'il s'en aille. Nous sommes de prêcher. Est-ce que vous êtes là? Lose him and let him go. Détache-le et laisse-le partir. Maybe you be the one I'm talking to. Et peut-être que tu peux être la personne dont je parle. Maybe you be the one I'm talking to. Sois la personne dont je parle. I said, lose him and let him go. Détache-le et laisse-le partir. So may you be the one I'm talking to. Alors sois la personne dont je parle. Listen to me very carefully. Écoute-moi très bien. Hello. Hi. Mama said. Mama dit. Lucy and let him go. Détache-le et laisse-le partir. Come, let it come down. Yes. Yeah. Let it come down, okay? Everything will be fine. Shout the devil is a liar. Que le diable est un menteur. Shout the devil is a liar. Le diable est un menteur. The devil is a liar. Change your story. Avant que tu ne changes ton histoire, you yourself, you must understand. Et toi-même, tu dois comprendre that you are in a certain situation. Et que tu es dans une situation. If you don't understand, si tu ne comprends pas, that you are in a situation, que tu es dans une situation, that you need help, que tu as besoin d'aide, God will never remind you. Le Seigneur ne va jamais te souvenir. Because, parce que, God always helps those who calls him. Le Seigneur aide toujours ceux qui l'appellent. If you clap, you are the one talking. Alors que tu as clap. Hello. Hi. Come on, sir. Hello. Hi. Hello. Hi. Hello. Hi. Hear me. Écoutez-moi. Mama.
let him go. Je détache le et laisse partir. Physiquement. When she was praying. Lorsqu'elle priait. Because she was praying for the people. Parce qu'elle priait pour son peuple. There are those who came here. Il y a d'autres qui sont venus ici. They want marriage. Ils veulent le mariage. They want children. Ils veulent des enfants. They want business. Ils veulent des affaires. They want breakthrough. Ils veulent de la paix. They want miracles. Ils veulent des miracles. Listen to me very carefully. Écoute-moi très bien. Listen to me very carefully. Écoute-moi. If you don't pay attention. Si tu ne prêtes pas attention. You won't know where I am going. Tu ne vas pas savoir où je m'en vais. Where I am going. I'm going somewhere. Et je m'en vais quelque part. Lose him and let him go. Détache-le et laisse-le partir. When mama began to pray. Lorsque maman commence à prier. Get in the spiritual realm. Et dans le monde spirituel. God will open her eyes. Et Dieu a ouvert ses yeux. And you begin to know. Et elle a commencé à why are my people not blessed? Et pourquoi est-ce que mon peuple n'est pas béni? Why are they suffering? Pourquoi est-ce qu'ils souffrent? Why are they interested in marriage? Et pourquoi ils s'intéressent au mariage? And still they don't get it. Et ils ne gagnent pas le mariage. Why is it that? Pourquoi est-ce que somebody's working? C'est quelqu'un qui travaille. And until now, et jusqu'à présent, has nothing to show. Il n'a rien pour montrer. No, 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 no. Non, 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 non. Is it because? Est-ce que parce que God cannot bless? Le Seigneur ne veut pas bénir. Is it because? Est-ce que parce que God cannot change? Le Seigneur ne veut pas changer. Is it because? Est-ce que parce que God is lying? Et Dieu est un menteur. I came to announce to you. Je suis venu annoncer à Dieu. My God does not lie. Mon Dieu ne ment pas. My God does not lie. Whatever is the problem, after these 3 days, you shall have it. If you shout that yes, I am talking to you. Si vous criez, lui, je parle de toi. Whatever we are doing here, tout ce que nous faisons ici, God is here. Dieu est là. Maybe. Peut-être. I said to myself, aujourd'hui je me suis dit, God is looking for one person. Je ne cherche une personne. God is looking for one person. Je cherche une personne. You may be more. On peut être plus. But God is searching for mais one person. Mais Dieu cherche une personne. You touch. Petite. I ask you a question. Je pose une question. Is that you? Est-ce que c'est toi? Is that you? Est-ce que c'est toi? Hear me. Écoute-moi. It's your mind. C'est ta pensée. And your heart. Et ton cœur. And your spirit. Et ton esprit. And your body. Et ton corps. That will make God. Qui va permettre à come Dieu down to lose you. De descendre avec tes affaires. That's surprising. Can I tell you something? Est-ce que je vais te dire quelque chose? Yeah. And listen to me. Laisse-moi te dire. There are those. Il y a ceux who don't go to church. Qui ne vont pas l'église. Who don't fast. Qui ne jeûnent pas. Who don't give offering. Qui ne donnent pas les offrandes. Who don't pray. Qui ne prient pas. Who doesn't serve God. Qui ne sert pas. There are those. Mais il y a ceux. All the time. Toujours. What they know. Tout ce qu'ils savent. Is going back. Ça devrait partir. To fetish priests. Et je les fetish. What they know. C'est qui ça? Is bound down. Et de fléchir. To idols. Aux idoles. What they know. Mais tout ce qu'ils savent. Is killing people. My God will touch you. My God will touch you.
Écoute-moi. Maman. Maman. Elle souffre. Et maman souffre. Crying. Elle pleure. Believe in God. Elle croit en Dieu. Believe in God. Crois en Dieu. Que les témoignages viendront. Testimonies. Témoignages. What happened? Viendront. Madame, me tell me. Mais laissez-moi vous dire. Before that testimony. Avant ce témoignage. It is every man of God. C'est pour tout homme de Dieu. The heart desire. Que l'être de la cœur. To see their children. De voir les enfants. To regret, going overflow, anointing, l'onction, will be working. So if that thing is not happening, the man of God will go crazy. Let him listen to me. Alors, listen to me. Écoute-moi. These 3 days, trois jours, put in your head mets ton coeur, that you will be loose. Que tu seras libéré. You will be loose. Tu seras libéré. Because when mama was praying, lorsque maman priait, et elle pensait que spiritually, l'esprit de maman, les yeux de maman, ont été ouverts, et l'esprit de Dieu, will begin to let her descend, et va lui donner la descendance. Then he will begin. Alors il va commencer. To know that, à savoir, this people, que ce peuple, has been bound, a été attaché. This people, ce peuple, has been bound, a été attaché. The moment they start to move, alors que quand ils étaient attachés. À cause de la corde, alors ils veulent tout. Ils veulent se marier. Mais à cause de la corde, ils ne veulent plus. They want to travel. Ils veulent voyager. À cause de la corde, ils ne veulent plus. They want ils veulent les enfants. Mais il y a une corde. They come back. Ils refusent. I came to tear that. This week, we are here. We are not here for anything.
Alléluia. Amen. Nous sommes là. We are here to liberate ourselves. Nous sommes là pour nous libérer. Maman. Est-ce que vous voulez la liberté? The way she sounded like this. De la manière dont elle a réagi. By the time you realize. Et le temps que vous allez nous réaliser. Nous sommes partis. You see how I'm sweating. Et vous voyez, je transpire. Je ne regarde pas les machines. Je regarde Dieu. I am not preaching. Je ne prêche pas. Maman. Yesterday. Hier. I told God. J'ai dit à Dieu. Lord, Seigneur. I'm a young man. Je suis jeune. I am a young man. Je suis jeune. I cannot preach this man. Je ne peux pas prêcher cette Bible. Cette Bible. I have been the man. Et j'aime la Bible. Seigneur. I cannot preach the man. Je ne peux pas prêcher la Bible. For me to become poor. Pour moi de devenir pauvre. Okay. Jamais. I said to the God. J'ai dit à Dieu. I cannot preach the Bible. Je ne peux pas tenir la Bible. And preach. Et prêcher. And et je serai sauf. Thank you.
exalted. Et vos cris de joie. It's a fool. Et trop faible. Souls. C'est trop faible. You are tired. Et vous êtes fatigué. You are fed up. Comme si vous êtes découragé. You are fed up. C'est pas que vous êtes fatigué. Somebody. Il y a certains ici. Oh no. Vous dites au Seigneur. I have finished. Je suis fini. I am tired. Je suis fatigué. I cannot do it again. Je ne peux rien faire. My strength. Ma force. Have fed me. Regardez-vous, me regardez comme ça. Est-ce que je ressemble à quelqu'un? Est-ce que je ressemble à Est-ce que je ressemble à quelqu'un que je n'affiche pas? Je suis venu pour élever des hommes. Je suis venu élever des hommes. Je suis venu changer la vie. La puissance de Dieu. Et autour. La puissance de Dieu. If you want power, si vous voulez la puissance, le Seigneur tu vas recevoir. Tu vas recevoir. Et le temps de Jean le Baptiste. Le royaume des cieux. Avec la violence. Et les personnes violentes. C'est eux qui vont par la violence. Et même plus voyez. Est-ce une église prophétique? J'ai prêché 5 jours. Et dans une église catholique. Et vous connaissez les gens du catholique. Et ils font comme les saints. Ils sont calmes. Mais lorsque je suis arrivé là-bas, regarde la même crie. Et même le catholique, même catholique, ils sont devenus des charismatiques. Et cette église, une église prophétique.